Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Et aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement réagir aux anciennes vidéos de Michou. J'avais déjà fait une vidéo qui date à peu près de, on va dire, je crois 3-4 mois, un truc comme ça. J'avais déjà fait une vidéo, vous l'avez assez appréciée. Donc on se retrouve pour le deuxième épisode, voilà. J'avais réagi à, je crois, 2 vidéos. Là, on va essayer d'être un peu plus rapide. On va essayer de réagir à plus de vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, en mettant ton gros pouce bleu. Et aussi, regarde, tu vois ceci, ça veut dire que j'ai une caméra. Ben oui, et oui, j'ai acheté une caméra. Voilà, pour qui voudrait la petite référence, c'est la C270 HD webcam de Logitech. Elle est vraiment sympa, je crois qu'elle coûte aux alentours de 30€. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et on est parti, let's go! Donc là, on est sur le PC, on est encore une fois sur les anciennes vidéos de Michou, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on va choisir une vidéo, on va prendre, on va choisir quand tu joues au foot. Vraiment, elle a l'air pas mal, donc on va y réagir, c'est parti. Ok les petits potes, donc là, on est sur la vidéo Michou, quand tu joues au foot avec tes potes, parodie. C'est parti. Je vous préviens, je fais du foot en club, là vous allez pouvoir y aller. Attends, laisse-moi deviner, hein. Ça c'est Esteban, ça c'est Timoun, et lui ben Bugizé, et là c'est Michou. Ah ouais, ils ont des têtes du même âge. Ah ouais, la petite casquette friggin de Timoun, c'est body. Vous me bombardez, je m'en fous, je vais tout vous arrêter, ok? Ok. Ok. Il a failli se prendre un vent, Esteban. C'est très gênant, très gênant. Eh, faut tirer plus fort, franchement. À toi, Clem, essaye. Ouais, t'inquiète pas, je vais te mettre un bouleur, tu vas voir. Non, mais vous êtes sérieux, là? Entre l'autre qui sait pas tirer et puis l'autre qui cadre pas. Allez, à toi, Esté. T'inquiète, moi, je vais bien cadrer. Oh! Il va nous faire une pavard là, tu vas voir. Boum! Headshot! Oh, mon fou, il s'est pas arrêté une balle, il a cadré! Mais en plus, c'est pas crédible, regarde, il est en train de rigoler, il est en train de se taper une barre, mais c'est pas crédible, Michou, enfin! T'abuses! Pou, pou, pou! C'est horrible. C'est fini. Bon, on passe à la prochaine vidéo. Ok les petits potes, donc j'ai trouvé une vidéo, c'est Michou quand t'es à l'école. Salut la Michou Army. Bref, aujourd'hui si on est là, c'est pour parler de l'école. Quand t'es à l'école. Bon, déjà à l'école, un truc qui m'arrive souvent, c'est d'arriver en retard. Quand t'es en retard. Bon, ben, quand t'es en retard, c'est simple. En général, t'inventes une excuse bidon, ça passe tout seul. Ok, vas-y. On va inventer quoi? Bonjour, excusez-moi du retard, mais en fait, ce matin, en me levant, il y avait un éléphant rose avec qui jonglait avec des licornes. Et puis moi, ben, du coup, j'ai trébuché sur un zizi sauvage. Je peux entrer? Oui. Quel jeu d'acteur! Quel jeu d'acteur, je le répète, je le dis, je le redirai. Quel jeu d'acteur, Michou, va jouer à Hollywood, là, c'est bon, tu m'as saoulé. Merci. Quand tu dis une connerie. Bon, après, quand tu dis une connerie, là, ton réflexe, c'est toujours d'accuser ton pote. Oh, Jackie et Michel, arrêtez vos conneries. Eh, vous savez c'est quoi une connerie? Ben, c'est un con qui dit... Merci, merci. Merci. Quelle blague de merde! Mais c'est pas moi, c'est lui! Esteban! Quand tu n'écoutes pas et que le prof te demande ce qu'il vient de dire. Bon bah là, t'es dans la merde quoi. Miguel, je viens de dire quoi là? Hein? Ton carnet! Hein? Mais c'est pas moi, c'est lui! T'as du bol et tu dis le bon truc. Miguel, je viens de dire quoi là? Hein?
Vous avez dit que vous aimez bien manger des bouses de vache? Ouais, t'as de la chance. They see me rolling, they hate... Non mais en vrai, je crois que le pire des anciennes, le truc le plus horrible dans les vidéos de Michou avant, je crois en fait c'est son montage quoi. Ou alors, t'es un gros thug et tu le clashes. Miguel, je viens de dire quoi là? Bah vous devriez le savoir puisque c'est vous qui l'avez dit. À moins que vous avez oublié parce que vous avez l'Alzheimer. Bah ouais, c'est ça. Oh, le clash! Quel clash de fou! Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que après ça va être trop long et tout. Donc on va prendre une dernière, puis ensuite on va s'arrêter là, je pense. Ok, du coup j'ai pris la vidéo Michou, les cassos version GTA parodie. Chouchou, c'est Mimi, c'est Chouchou, c'est Michou. Non mais déjà ça commence comme ça gros. C'est ça son intro ou ça se passe? Wesh mon frère, bien ou quoi? Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous? Michou me fait faire que de la merde dans GTA et je passe pour un paltringue. Quoi? De quoi tu parles? Vas-y, donne un exemple. Toute la journée, tu traînes ton cul avec ton seul pote. Et c'est un putain de gros lard. Exemple. Alors que mes potos, c'est eux. Ouais, mais moi, au moins, je passe pas tout mon temps à buter tout le monde. Ok. Ah, ok, d'accord. Oh, le cambrioleur. On est dans GTA, mec. C'est pas pour rien que le jeu est interdit au moins de 18. Toi, dès que t'as les flics au cul, tu t'arrêtes et tu te rends. Mais en même temps, c'est la police, ils vont te buter sinon. Bon, enfin bref, on va s'arrêter là. Voilà, petit pote, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère encore une fois que tu as mis ton gros pouce bleu en t'abonnant et en activant la cloche. Ça fait encore une fois extrêmement plaisir. Et sur ce, les petits potes, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis tchuss.